Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Une fois de plus, merci à tous pour vos encouragements, vos partages, vos visites, vos passages sur ma chaîne. Merci beaucoup et merci parce que vous êtes encore de plus en plus nombreux à me suivre et à m'encourager. Soyez abondamment bénis, même ceux qui n'aiment pas ma chaîne, ce que je fais. Je vous remercie de votre passage. Soyez bénis. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter tout simplement une boisson. Mon smoothie à la banane, mandarine, poire, curcuma et gingembre. Simple à réaliser, simple à faire. Nous allons commencer la réalisation de ce smoothie. Maintenant, c'est parti. C'est parti. Pour ça, j'ai eu besoin d'une banane, d'une poire, d'une mandarine, d'un morceau de curcuma, d'un morceau de gingembre. Donc voilà, banane, une banane que j'ai déjà coupée, de la mandarine. Et là, je vous montre mon morceau de gingembre, un petit morceau tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Donc d'ingrédients, une banane, une poire, gingembre, curcuma, une mandarine et une poire. Vous pouvez ajouter la quantité qui vous convient. Donc, à vous de voir. Donc, mes ingrédients sont poire, mandarine, gingembre, curcuma, banane. Voilà. Et j'aurai besoin des glaçons. Là aussi, la quantité, c'est à vous de voir. Et j'aurai besoin d'une demi-cuillère à soupe de miel. Le miel, c'est facultatif, c'est pas obligatoire d'en mettre. Et moi, j'aime bien le miel. Là, je vais commencer d'abord à écraser mes glaçons. Je mets ça dans mon bol à blender. Voilà. Je commence par les glaçons. Je fixe mon bol à blender. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais maintenant mixer les glaçons. On va d'abord fermer. Parce que cet appareil, tant que c'est pas fermé, ça va pas fonctionner. Donc, faut bien fermer, bien fermer. Voilà, et là maintenant, j'allume mon appareil et je mets position smoothie. Et ensuite, je vais allumer là où on a écrit start. Et c'est parti. Ensuite, je viens ajouter mes fruits. Donc, banane, poire, ça tombe. Banane, poire, mandarine et curcuma, gingembre. Ensuite, j'ajoute le miel, une cuillère à soupe. Une demi-cuillère à soupe, excusez-moi. Et je vais encore bien mixer l'ensemble de mes ingrédients. Si vous n'avez pas le curcuma frais ou le gingembre frais, prenez en poudre. Et là, je mixe l'ensemble de mes ingrédients. On va bien mixer afin qu'il n'y ait point de morceaux. On va mixer le temps qu'il faut mixer afin que nous puissions avoir aucun morceau. J'ai toujours tendance, quand je fais le montage, mon ventre gargouille. C'est bizarre. Bon, ne faites pas attention. Je continue à mixer.
On aimerait obtenir un smoothie bien lisse, sans morceaux. Voilà, là, je continue, je vérifie en même temps. Et là, c'est presque prêt. Je retire mon bol et je vais vous montrer le résultat. Simple à réaliser. Simple à réaliser, voilà. Ça, c'était ma recette du jour, mon smoothie à la banane, poire, mandarine, curcuma et gingembre. Simple à réaliser. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que la recette hein, vous plaira. Et si cette recette vous a plu ou la vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. C'était une petite vidéo tout simplement d'une petite boisson, d'un smoothie. Bien, un smoothie bien rafraîchissant. Donc voilà, simple à réaliser. Voilà mon smoothie. Je vous souhaite une bonne dégustation. Je vous dis pas, c'est très bon. Moi, je n'aime pas le smoothie à la banane. Je déteste ça. Mais ça, j'ai aimé. J'ai vraiment goûté et j'ai aimé. Donc voilà. J'espère que vous allez tester la recette. Je vous souhaite une bonne dégustation. À vous de jouer. On se retrouve à la prochaine recette, si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci. Merci à tous. Merci encore à tous, aux confrères, consoeurs, youtubeurs, aux abonnés nouveaux comme anciens, aux visiteurs, à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais. Je vous remercie tous de tout cœur. Merci encore d'être plus nombreux à me suivre, à me soutenir, à me faire des critiques positives et non pour nuire. Merci pour ceux qui m'aident à avancer. Soyez abondamment bénis. Merci à ma famille, à mon mari. Je n'oublie pas le grand des grands, mon Dieu, qui m'inspire tous les jours. Je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.